Bonjour, M. Demers. Bonjour. J'ai vu privément avec 1200 autres personnes la première du film « C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand ». Et j'étais avec deux enfants qui étaient parmi tous les autres enfants. Ils ont adoré ça. Les adultes ont eu des petites difficultés avec certaines choses. Il y a des adultes qui se laissent pas aller par ça. Il y en a d'autres qui se laissent aller comme les enfants. Et pour ceux-là, c'est aussi extraordinaire. Dont je suis. Bravo. Bon. Alors, dans la salle, il y avait des gens qui disaient « Ah, c'est très européen, le film ». C'est curieux, ça ressemble à des films russes. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Parce que c'est un Tchèque, c'est un Tchécoslovaque qui a réalisé le film. C'est-à-dire, le réalisateur est Tchécoslovaque, oui. Mais le sujet est d'origine d'ici. Tous les techniciens sont d'ici. Le concept de base derrière le film est d'ici. Les comédiens sont d'ici. Donc, moi, je considère que c'est un film québécois. Mais si on dit que c'est un film peut-être européen, c'est peut-être parce qu'il est très, très différent des films américains, en ce sens qu'il n'y a pas de violence. Il y a beaucoup plus de poésie. Il n'y a pas les bons et les méchants. C'est beaucoup plus nuancé comme oui. personnage, comme caractère. Il y a un personnage qui est... que dans un film américain, on pourrait appeler un monstre. Mais dans ce film-là, au contraire, c'est pas cet être-là qu'on n'arrive pas à identifier. C'est pas quelqu'un qui mange et qui tout ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui transforme les gens, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et qui produit une poudre d'or magique qui a des effets extraordinaires. C'est ça. Le traitement est très poétique. Il y a beaucoup de belles scènes à l'extérieur. Il y a beaucoup de... Il y a de la musique, il y a des chansons. C'est pas coupé en petits morceaux comme d'autres films, comme Bac et Bottine, par exemple. C'était beaucoup plus serré, on dirait. C'est ça. Bac et Bottine était beaucoup plus réaliste. Oui. Donc, on avait un filon, puis on y allait. Celui-là, il voyage continuellement entre la réalité et l'imaginaire. Mm-hmm. On revient continuellement sur Terre. Faut bien avoir... Puis on commence sur Terre, puis on finit sur Terre avec des scènes très réalistes. Mais à un moment donné, il y a une espèce d'envolée vers un imaginaire, vers un autre monde qui, en même temps, nous dit des choses très, très réelles par rapport à la façon, je pense, de voir la vie. Est-ce qu'il est plus international que d'autres films de la série, selon vous? Non, je ne dirais pas ça. Il est très différent parce que si on regarde les quatre premiers qui sont très réalistes, comme La guerre des Tuques et Bac et Bottine, ça voyage, c'est rendu ça en voyage Russie, très bien. C'est rendu en Chine, c'est ça. Je vous ai entendu dire à la radio hier, je pense, ou avant-hier, que La guerre des Tuques était très appréciée des Japonais, par exemple. Oui, absolument. Parce que chaque groupe, quand je dis chaque groupe, je pense par exemple les anglo-saxons, pour eux, leur préféré, c'est Opération Beurre de Pinot. C'est curieux. Pour les latins, c'est Bac et Bottine et celui-ci, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Pour les Japonais, c'est La guerre des Tuques. Donc, chaque film fonctionne. C'est juste des nuances. Ils les aiment tous, mais si on insiste pour savoir le préféré, mm-hmm. là, celui qui sort n'est pas le même selon l'ensemble culturel dans lequel on est. Oui. Maintenant, vous, là, en tant que producteur, oui. vous m'avez dit tout à l'heure, le moteur de toute cette machine-là. Oui. Mais je soupçonne qu'il y a un homme qui ressemble à tous les films. Il y a des points communs, comme ça se passe beaucoup à l'extérieur. Vous devez être un homme qui aimait la forêt, la campagne, plus... Vous n'êtes pas un citadin, on dirait. Est-ce que ça colle à vous, ça? Mes racines sont campagnardes, il n'y a aucun doute sur ça. Dans le monde de mon enfance, je suis né sur une ferme, donc j'ai vécu à l'extérieur beaucoup, j'ai travaillé à l'extérieur beaucoup. Il y avait des animaux autour de moi tout le temps, il y avait des enfants, il y avait des grands-parents. Et le contact avec la nature était très, très précieux et toujours présent. Dans les commentaires des enfants, des miens en tout cas, et je sais que c'est parmi d'autres enfants aussi, on dit on sent une sécurité dans vos films. Est-ce que c'est vous qui transparaissez dans vos choix de films, puisque vous êtes le producteur? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien direct? Les professeurs de littérature nous défendaient autrefois de coller l'homme à l'œuvre. J'essaie de le faire aujourd'hui, là. Moi, je pense que qui que ce soit... ce qu'il fait lui ressemble. Bon. C'est vrai pour un peintre, c'est vrai pour un écrivain, c'est vrai pour un producteur, c'est vrai pour un comédien. Ce qu'on fait nous ressemble. Oui. Et plus on... ce qu'on fait est de qualité, plus ça nous ressemble, plus ça colle à nous. Oui. Plus on va loin, plus ça nous ressemble. Et c'est sûr qu'il y a...
qu'il y a quelque chose de moi dans ces films-là, de la même surtout au niveau du concept et de la conception d'ensemble, mais ça ressemble aussi chaque film à son réalisateur. Si vous prenez sûr. Opération Beurre de Pinot et Bac et Bottine, c'est deux univers complètement différents, de la même façon que Michael Roubaud et André Melançon sont deux personnages très différents. Mais André Melançon, je ne connais pas l'autre, aime beaucoup la nature aussi. Oui. A de la facilité avec le monde des enfants. Oui. Est-ce que vous devez retrouver dans vos réalisateurs ce que vous êtes vous, par exemple? Une espèce de joie, une espèce d'imaginaire grand, là. Oui, ce que j'essaie de montrer, et mon choix de sujet sont en fonction de ça, et mes choix de réalisateur aussi, c'est que la vie, c'est difficile. C'est que... oui. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive presque à tous les jours qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est ça que je retrouve, que j'essaie de retrouver chez mes collaborateurs, de la même façon que dans mes sujets. Et dans votre public, autant chez les enfants que chez les adultes, parce que j'en suis un, vous recréez une espèce de joie de vivre. On le sent ouais. très bien dans les salles. Ouais. L'autre soir, à la première, ça se sentait, c'était tangible. Tu quittes le monde, puis tu t'en vas dans un monde d'enfants que tu as aimé si tu l'as vécu. Ouais. Est-ce que vous avez vécu, vous, une enfance... avec un imaginaire très vivant. Vous me faites beaucoup plaisir en disant ça parce que j'essaie de communiquer cette joie de vivre à travers ce qu'on peut appeler les difficultés de la vie. Et moi, mon enfance était très heureuse. Très, très heureuse. Donc, vous essayez d'en redonner aux gens, un peu? Oui. Par les films? Et parce que j'ai eu cette enfance heureuse-là, je pense que ça m'aide beaucoup à vivre maintenant mon âge adulte. Et si je pouvais arriver à communiquer aux jeunes et aux adultes qui voient les films avec les jeunes, cette espèce de joie de vivre ou de sécurité qui vient de... C'est ça, de sécurité-là, je pense que ça peut peut-être aider les spectateurs d'ici et d'ailleurs. Comment pourrait-on convaincre, par exemple, un adulte récalcitrant, quelqu'un qui n'a pas d'imagination, qui a une imagination très contrôlée? Est-ce que vous sentez qu'il y a un blocage vis-à-vis certains adultes? Comment passer à travers ça? Chez ces adultes-là, dans des films comme La guerre des tucs, Bac et Bottine, ça va très bien. Oui, parce que c'est raison. Très réaliste et oui. c'est plus logique, c'est plus linéaire comme sujet. Chez les autres, tout ce que je peux dire, c'est... Laissez-vous aller, mon Dieu, laissez-vous aller. Laissez-vous envelopper parce que vous voyez, parce que je sais que chez beaucoup d'adultes, comme vous l'avez dit vous-même, si on se laisse aller, c'est extraordinaire. Ce sont des petites joies, pourquoi pas en profiter. Ouais, dans l'avenir, M. Demers, est-ce que vous continuez dans la même veine? Est-ce que c'est une surprise à chaque fois, les prochains films qui s'en viennent? Ou bien c'est toujours à l'extérieur? Il y a peu d'adultes dans vos films. Celui-ci est un petit peu particulier, là. Non, mais si vous prenez Bac et Bottine, le film est presque à l'intérieur du début à la fin, hein? Le premier, La guerre des tucs, était presque tout extérieur à la campagne. Opération Beurre de Pinot, c'était très citadin dans un milieu multiethnique. Oui. Avec Bac et Bottine, on va à l'intérieur beaucoup et avec deux personnages. Avec Le jeune magicien, on revient vers l'extérieur. Oui. Celui-ci nous plonge aussi... Il est à la campagne, dans une forêt. C'est ça, avec Le prochain, oui. La grenouille et la baleine. Là, on est les côtes, on est filmé sur la côte nord et à Métis, donc c'est aussi très extérieur. Sur l'autre, après, Tommy Tricker, on revient plus à l'intérieur. Il y a plus ou moins d'adultes selon les sujets. Je vous interromps pour une bonne raison. Comme c'est votre anniversaire et votre cinquième film, on veut vous souhaiter bon anniversaire et bon succès à ce cinquième film. Est-ce que c'est important pour vous, les anniversaires? Oui, c'est important parce que c'est des occasions de fête. Bon, donc, dans votre enfance heureuse, on a dû la célébrer souvent, votre fête. Oui. Ah, mais je ne m'y attendais pas. Bonne fête, M. Demers, et merci infiniment pour le Quant à nous, nous revenons dans 2 minutes. À tout de suite.